بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. Encore, صلي وسلم على محمد. Je sais que tu as besoin de bonheur, de sérénité, d'apaisement, de douceur, de remise en cause, de beaucoup de choses. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala prise sur son prophète avec la langue. Mais non, tu as compris. Là, tu commences avec la langue et tu finis dans le cœur. Et là, une fois que tu arrives à le faire avec le cœur et dans le cœur et avec l'âme, oh là 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 là, ce qui va se passer pour toi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Ils m'ont fait mal à la gorge, mes ennemis. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. J'apprends de vous, j'apprends avec vous. Je veux me stimuler, qu'Allah vous bénisse. Une vie sans stimulation n'est pas une vie, non? Très bien. Je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah, sa miséricorde, ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Le sale blédard, vous savez. Je sais que je n'ai pas besoin de faire le blédard parce que je ne suis qu'un blédard. D'accord. Très bien. Mais tu comprends? Je te dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut maintenant que je m'intéresse à mes autres amis, mes frères et sœurs en humanité, mes fils et mes filles en humanité, mes ennemis et mes ennemis en humanité, en citoyenneté, en universalité, en ouverture d'esprit, en tolérance, en souplesse intellectuelle, en respiration de l'autre. Quelle belle respiration quand tu respires l'autre qui donne l'impression qu'il est différent de toi, ou qui a l'impression que tu es différent de lui, ou sans même avoir l'impression. Quelle belle respiration. Oh. Je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Avançons, s'il vous plaît. Donc, sans transition, comme disait l'autre, un frère me dit, sur un rappel que j'ai fait récemment, que vous n'avez pas beaucoup partagé, qu'il faut partager et repartager, qu'il faut envoyer à vos mailing lists, à vos contacts, qu'il faut essayer de marketer, qu'il faut essayer de vendre, de publier, de diffuser. Qu'est-ce que vous faites? Attention. Ah, l'extrémisme n'est pas beau. Bah, tu as quelqu'un qui te fait une série entière sur les racines, sur la déconstruction de la culture de l'extrémisme, de A à Z. Bah, publie, Allah Jazik. Diffuse. Toi, le non-musulman. Diffuse. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a plus personne quand il faut donner un coup de main. Pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour les citoyens. C'est pour les musulmans. C'est pour les humains. Allez, lance! Donc, il me dit ce frère, Barakallahu fik, mon frère Mustafa. Belle lecture, très didactique. Oh là là. Oh là là, je suis content. Jazakallahu kullu khair, mon frère. Cependant, les extrémistes ne sont vraiment dangereux que si on les laisse faire. Et a fortiori, si on leur donne les moyens de nuire. Donc, mon frère, toi le premier, ne les laisse plus faire. Donc, diffuse ce type de rappel qui va les arrêter avant même qu'ils deviennent extrémistes, qui va les préparer à avoir les clés nécessaires pour ne pas tomber dans l'extrémisme. Et ceux qui sont encore débutants dans l'extrémisme, ils vont petit à petit le délaisser. Ceux qui sont enracinés, si et seulement si ils ont un minimum de cœur, de bonté, de spiritualité, d'ouverture, de souplesse, de non-orgueil,
ils finiront par se remettre en cause. Donc faisons le travail, s'il vous plaît, diffusons, publions, aidons la da'wa. Et c'est là que la géopolitique entre en jeu. Derrière les fléaux à grande échelle que cause l'extrémisme, il y a toujours des États respectables qui arment et soutiennent politiquement, médiatiquement, ouvertement ou secrètement. Pour moi, l'extrémisme violent n'est qu'un outil entre les mains de nations ou de coalitions pour détruire ou en affaiblir d'autres. Je suis d'accord. Tranquille. Mais le risque et le danger avec ce type de discours, c'est encore, toujours et toujours, mettre la faute sur le méchant, l'injuste, le conspirationniste, le complotiste, le nouvel ordre mondial, les groupes secrets. Et ça nous libère, nous, ça nous affranchit finalement de notre responsabilité. Donc je suis d'accord, tu ne m'apprends pas grand-chose, très bien. Nous sommes tous d'accord que tout au long de l'histoire humaine, il y a toujours eu des groupes, des coalitions, des consortiums, des États, des pays qui manipulent. Et encore aujourd'hui, les services de renseignement partout dans le monde, service de renseignement veut dire sale coup, coup bas, bassesse, déstabilisation. Les États, chaque État, jouent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont trouvé un très beau terrain de jeu qui s'appelle les imbéciles d'origine musulmane. C'est vrai. On crée une personnalité, on crée un groupe, on crée un système de pensée, on rapporte un système de pensée de Dieu passé, on l'aide à grandir. Ça a toujours été pratiqué. Toujours. Et j'aime toujours donner l'exemple, subhanallah, de ce qui s'est passé en Égypte. Quand les frères musulmans ont commencé à déranger les grands états colonialistes de l'époque. Les grands états, avec Israël, ont tout imaginé pour déstabiliser les frères musulmans et finir avec les frères musulmans. C'est un exemple, attention, c'est un exemple. On peut parler d'autres. Et la meilleure trouvaille, finalement, auquel ils n'ont pas pensé à l'époque, mais petit à petit, ils l'ont bien testé, ils l'ont bien pratiqué, c'est ça, c'est créer l'extrémisme. Et c'est vrai que dans les prisons égyptiennes, dans lesquelles on a pratiqué les pires tortures, on a laissé un personnage se développer. Et on l'a libéré, et il a fait beaucoup de ravages. L'un des plus grands praticiens, théoriciens de l'extrémisme, du radicalisme kharijiste, l'un des pires, s'appelle Choukri Mustafa. J'ai déjà parlé de Choukri Mustafa. Mais c'est vraiment un exemple. Une fois qu'on comprend le parcours de Choukri Mustafa, on comprend tout ce qui se produit actuellement. On a des indicateurs, on a des indications, on a une boussole pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc c'est vrai, des États, pour un intérêt particulier, d'accord? Anwar Sadat a libéré beaucoup, beaucoup de musulmans, beaucoup, beaucoup d'islamistes, beaucoup, beaucoup de radicalistes, beaucoup, beaucoup d'apaisés, et il a même rendu dans ses prisons Jamal Abdel Nasser, surtout Jamal Abdel Nasser, a emprisonné des gens qui ont vu de toutes les couleurs la torture, le fait de rabaisser, le fait de détruire psychologiquement. Donc des gens qui étaient à la base, qui n'avaient même rien à voir avec l'islam, d'accord, parce qu'on prenait tout le monde, des milliers de personnes qu'on a mis en prison, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec l'islam. Des gens qui ne priaient même pas, qui ne côtoyaient pas les mosquées. On a raflé tout le monde, et c'est vrai qu'on a fabriqué, ils ont fabriqué des extrémistes. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudia s'amuse. Le Qatar s'amuse. La France s'amuse.
Le FBI, vous avez entendu ces histoires. Le FBI infiltre de A à Z, te fabrique un terroriste de A à Z. Le jour où il récupère, c'est eux qui lui donnent même les armes, les bombes, et le jour où il se prépare pour les faire exploser, on lui dit coucou l'ami, c'est nous, viens, 250 ans de prison. Donc, imagine ce que tu veux, tu n'atteindras pas la bassesse des États et des groupes, c'est vrai. Mais est-ce que le jour où je partirai dans ma tombe, moi je m'adresse à toi, pas celui qui m'a lancé le commentaire, à toi le musulman, à toi l'être humain, à toi le citoyen. J'essaye de t'aider et de m'aider, Inch'Allah, à t'immuniser contre l'extrémisme, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. D'accord? Et quand tu t'appelles un musulman, normalement c'est très facile pour toi de ne jamais tomber dans l'extrémisme. Si tu as un atome de l'islam, normalement, par définition, tu es immunisé. Donc, quand tu te vois très sectaire, très extrémiste, très fanatique, très violent, très terroriste, normalement, automatiquement, tu dois comprendre que tu n'as rien à voir avec l'islam. Ça a l'air simple ce que je raconte, n'est-ce pas? C'est même simpliste ce que je raconte. Le problème, c'est que les gens n'arrivent même plus à repérer qu'ils sont extraordinairement extrémistes, extraordinairement exclusifs, fermés, obtus, bornés, noirs, obscurantistes. Et aimer ce que tu veux derrière. Parce que le message a été trahi. Une non-connaissance totale de le Coran, de la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des autres prophètes, des sahaba. Aucune connaissance, et n'importe quelle connaissance que ces personnes ont, c'est une connaissance biaisée, orientée, manipulée. Donc, c'est vrai, ça peut être manipulé par un État, ça peut être manipulé par un groupe de personnes, ça peut être manipulé par un madhhab, ça peut être manipulé par un terreau, même de savoir. Là, c'est une infinité de choses qui interviennent, et de facteurs. Et les États, bon, mon ami, ils vont pas se priver. Aujourd'hui, on utilise l'extrémisme pour finir avec l'islam. Il y a des États aujourd'hui où tu n'as plus le droit de dire un mot. Vraiment, plus laïque que ces systèmes et ces pays, tu meurs. Des pays musulmans. Et chacun de vous peut voir de quel pays musulman il s'agit. Et je peux même te parler des grands pays musulmans, dits musulmans, comme l'Arabie Saoudite. Dans l'apparence, on voit que c'est l'islam. Mais derrière, plus laïcard que ça, tu meurs. Là, je dis un non-sens pour toi. Mais je peux te le argumenter, te le développer. Mais simple, je vais te donner un exemple simple. Un bonhomme parle, un as, mashallah, un expert, il n'y a pas eu que lui, et il critique 15 ans de prison, torture, et il critique une critique logique, simple, qui ne doit même pas déranger normalement. Il n'a même pas déstabilisé l'État. Il a dit à l'État saoudien, je veux vous aider. J'aimerais bien faire évoluer mon pays, faire progresser les choses. Je ne suis pas contre vous. Mais on doit critiquer des choses. En disant cela, un homme, quelqu'un d'extraordinaire, mashallah. Et c'est pas que lui. 700 personnes à l'époque. Plus de 700 personnes. Des milliers de personnes à l'époque. Des fitnas d'il y a 20 ans. Et ça n'arrête jamais, malheureusement. Qu'ils soient d'origine musulmane, qu'il soit d'origine islamiste, qu'il soit d'origine wahhabite, qu'il soit d'origine salafi, qu'il soit de n'importe quelle origine, le jour où il commence à se remettre en cause, et le jour où il commence à remettre en cause une gestion, un manque de justice, économique, sociale, sociétale, ce que tu veux, la prison avec torture. Tu comprends? Donc les États, ils ont un intérêt, oui, à jouer. Et je te dis, il y a des pays qui utilisent aujourd'hui l'extrémisme pour interdire toute action, quelle qu'elle soit, qui a une forme musulmane. À créer une association pour aider les pauvres, fini. Se rassembler pour avancer, pour étudier des choses, fini. Compliqué, vraiment, ils ont compliqué en te disant, ah, bah, si on laisse faire, si on laisse parler, et le prédicateur n'a plus le droit de parler, le prêcheur n'a plus le droit de parler, le savant n'a plus le droit de parler, les khutbas viennent fabriqué, d'accord? L'état de la khutba doit toujours être le même. Hein? Tout. Intervention totale. En prétextant l'épouvantail qui s'appelle l'extrémisme. Donc c'est vrai que l'extrémisme
a donné l'occasion, d'accord, aux pires ennemis de l'islam à continuer à essayer de saper l'islam et les musulmans de l'intérieur. C'est vrai. Donc c'est vrai, on perd à tous les niveaux avec l'extrémisme. Et les États, bah, les États sont gérés par qui? Bah, par des gens qui ont un intérêt vital à garder leur place, à garder leur chaise. Donc ils s'amusent. C'est vrai. Ils manipulent, ils s'amusent. Et Daesh, initialement Daesh, l'Arabie Saoudite, a contribué. Est-ce que toute l'Arabie Saoudite, tous les gestionnaires de l'Arabie Saoudite ont contribué? Non. Mais à l'intérieur de la famille régnante dans l'Arabie Saoudite, il y a des extrémistes purs, il y a des athées purs. Il y a de tout qui s'entretue, des idéologies, des dogmatismes, des convictions qui s'entretuent. Et c'est vrai que tout au long de son histoire, l'Arabie Saoudite s'est mobilisée pour manipuler les extrémistes. Muammar al-Qaddafi à l'époque, il s'était beaucoup amusé. Les Égyptiens, ce sont de Jamal Abdel Nasser jusqu'à Anwar Sadat, passant par Hosni Moubarak, et tous, ils se sont bien amusés. Les Algériens se sont très bien amusés, avec le GIA, avec le FIS. Donc ça, les États font ce qu'ils veulent. Maintenant, mon ami, en mettant tout sur la géopolitique, ce mot, moi j'ai des petits gamins qui viennent de naître, les pauvres, même quand ils ont 50 ans, ils viennent jouer, ah là, tu parles jamais de la géopolitique, c'est la géopolitique. Ok, mais l'erreur avec ce type de raisonnement, c'est que, ok, bah, la géopolitique, et la géopolitique, et la géopolitique, et voilà, et tu l'as pas compris, tout ça, c'est la géopolitique. Mais en tant que donc, la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout s'explique par ça, le nouvel ordre mondial, et on fait plus rien. Mais, habibi, le Coran s'adresse à toi, s'adresse à moi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toi, s'adresse à moi. Dans ma tombe à moi, je vais me trouver, Allah m'a posé quelques questions. Je ne veux pas lui dire la géopolitique, les francs-maçons, les Illuminati. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى d'accord oh, mais je comprends ton raisonnement. Maintenant, ceux qu'on appelle nos ennemis, les koufars, nous ont étudiés à la perfection dès l'aube de leur début et dès l'arrivée de l'islam. Nos ennemis, tout au long de leur histoire, nous ont étudié à la perfection. Plus fort que la perfection. Tu vois, les plus grandes universités françaises, anglaises, allemandes, ils ont des services, ils ont des chaires, ils ont des départements qui s'occupent de l'islam et des musulmans, de son histoire et de tout, de ses livres, de ses pensées, de ses groupes, de tout ce que tu veux. Ils maîtrisent à la perfection. Un savant à côté d'eux, c'est un enfant de cœur. Nous, on prend un mot géopolitique, et on met tout dessus et on fait rien. Alors que ça serait bien que nous aussi on commence à s'intéresser vraiment avec des structures, avec des départements dans les grandes universités arabo-musulmanes partout. Nous devons nous aussi s'intéresser à ces méthodologies, à ces outils, à leur manière de faire. Surtout ceux qui veulent tout détruire, parce que finalement l'intérêt de manipuler, l'intérêt d'installer le façade dans la terre, à qui gagne la fin? Tout le monde est perdant. Il y a un gain sur le très court terme pour celui qui vénère son poste. Oui, lui et son poste vont partir à la poubelle de l'histoire. Le malheur, c'est que ça coûte beaucoup aujourd'hui. Et plus fort que ça, mon frère, aujourd'hui, c'est l'islam qui est attaqué. À cause de ces extrémistes-là, c'est l'islam qui est attaqué. Tu vas me dire, ok, depuis ses débuts, l'islam est attaqué. Non. Si c'était que ça. Avant, l'islam, par lui-même, clouait le bec à n'importe quel imbécile, quel qu'il soit. Le meilleur orientaliste, tu t'assois avec lui, tu lui cloues son bec. Le malheur aujourd'hui, c'est notre jeunesse est ignorante. Notre jeunesse est dépassée. Nos chouyours sont dépassés. Nos chouyours sont ignorants, sans vouloir généraliser. Nos penseurs sont dépassés. Il y a une fitna totale. Il y a une révolution numérique, virtuelle, cybernétique sur les 20 dernières années qui dépasse ce qui s'est passé sur les 1000 dernières années. Ça qui est extraordinaire. Ça nous surpasse. On est foutus, les pauvres. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. En une vingtaine d'années, il y a eu un déferlement, subhanallah, de choses
qui bouleversent tout sur leur passage. D'accord? Donc, que se passe-t-il alors dans ces, dans ce milieu, dans ce terreau? Les gens remettent en cause le Coran, l'islam, la sunna, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quittent l'islam. Je vais me dire, mais qu'ils partent en enfer. Tu peux me dire qu'ils partent en enfer. Et je te dis, c'est de plus en plus. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On te montre un converti. Allahu Akbar! Ashhadu an la! On applaudit à la mosquée. Allahu Akbar! Ce converti devient extrémiste. Tu n'as pas gagné grand chose. Mais on te rappelle pas, on te montre pas le nombre de personnes. On te parle pas du nombre de personnes qui quittent l'islam. Des familles de religieux purs et durs. Religieux purs et durs. Tout le monde. Religieux. Le parent était cher, par exemple. Purs et durs. Tout le monde est devenu athée. Et qui travaille pour son athéisme, en plus. Et qui connaissent l'islam, parce qu'ils ont eu ce parcours. Là, je parle de gens qui ont eu le parcours. Le fameux parcours, Coran, Sunna, connaissance, blablabla. Et c'est pas un, c'est pas deux, ça se développe, malheureusement. Et les gens sont perdus. Et même ceux qui ont une bonne niya, petit à petit, ils voient des choses, et petit à petit, ils te disent, j'ai quitté la prière, j'ai tout laissé tomber. C'est un non-sens, l'islam. Le Coran est un non-sens. Dieu est un non-sens. Tu comprends? Et les extrémistes, malheureusement, travaillent eux aussi à dénaturer, à déformer l'image de l'islam. Et le fond de l'islam. Tu comprends? Donc, mon rôle à moi, c'est pas de faire le travail de l'Jazira, de faire le travail de l'Arabiya, blablabla, 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 géopolitique, blablabla, blablabla, et l'autre, voilà, il se rencontre. Tout ça, on le connaît. C'est bon. Les jeux, la ruse, l'être humain, il est imaginatif à l'infini. Les états sombres, les états despotiques, les groupes qui ont un intérêt, pécunier, pouvoir, désolation, déstabilisation, ils vont imaginer une infinité de choses. Donc ton rôle et mon rôle, c'est quoi? C'est très bien. L'origine de l'extrémisme, le Coran par rapport à l'extrémisme, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'extrémisme, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. Je dis même l'extrémisme droite-gauche, gauche-droite, extrême-droite, l'existentialisme, toutes les formes d'extrémisme, quelles qu'ils soient. C'est vrai qu'avec le Coran, subhanallah, avec la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu les repères très vite. Très vite. Et tu es immunisé très facilement. C'est ce travail-là que nous devons faire. Parce qu'on a laissé libre cours aux extrémistes de travailler sur Internet et de faire, et c'est vrai qu'ils ont produit des merveilles, dans le mauvais sens du terme. Le terreau lui-même d'une prédication sur les 30 dernières années, la prédication elle-même sur les 30 dernières années, dont les meilleurs pays dits musulmans, a préparé le terreau nécessaire, a préparé un terrain très fertile pour l'extrémisme. C'est vrai. En tordant les textes, en jouant avec les textes, en immobilisant et en rigidifiant, malheureusement, et en chosification, le cerveau et la raison et la pensée, subhanallah, et la liberté de prendre le texte et d'essayer de t'élever au niveau de la pensée pour le comprendre, on a tué, malheureusement, ce qu'il faut comme réflexion, comme système de pensée pour nous préserver contre ça. Et c'est vrai que ça a libéré les shayatines. Et tu ne dois pas être étonné de voir les shayatines utiliser les fatwas de Ibn Taymiyyah, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'X ou de Y. D'accord? Mais ton raisonnement, ce que tu as écrit, oui. Oui, c'est un constant. Sharh al-Wadihat min al-Murdihat. Aujourd'hui, Sharh al-Wadihat min al-Murdihat. Mais je ne veux pas dire l'autre fait des états, des systèmes, de ce que tu veux, et voilà, et je me défile. Tu l'as pas dit, mais c'est ça la tentation. Peut-être toi tu es immunisé, mais beaucoup de jeunes passent leur temps comme des perroquets, Illuminati, formation, complot, nouvel ordre mondial, conspiration, les états, et tout ça, tu vois. Ça c'est malheureusement pas trop facile. La chose la plus facile à faire, c'est de ne rien faire. Tu ne fais rien, tu passes ton temps à prendre des étiquettes, d'accord? À prendre des mots-clés, comme disait l'autre. Et voilà.
Ça marche. Et c'est ça que je refuse. Et c'est ça qu'on doit refuser. C'est ça qu'on doit combattre. Ça marche. Le monde est ouvert. D'accord? Il n'y a plus rien à cacher. Ouvrons tout. Inch'Allah. Ouvrons tout. Ouvrons le Coran. Et une fois qu'on l'ouvre, plus d'extrémisme. Il y aura que de la miséricorde. Il y aura que de l'intelligence. Il n'y aura que de la bonté. Il n'y aura que de la bonté. Il n'y aura que le raisonnement le plus raffiné qui puisse exister. Ça marche. Salam alaykoum. Oh, mon constat cravate. C'est un ami, qu'Allah le bénisse, Valentin, qui m'a dit, oh, Mustafa, pourquoi tu as laissé tomber la chemise? Il m'a envoyé une photo en me disant, regarde comment tu étais. Allez, à une époque, je faisais aussi avec les constats cravate. J'avais même commencé, mais on rappelle avec constat cravate. D'accord? Et ma femme me disait, ah, toi, tu as beaucoup de cravates, beaucoup de constats, pourquoi tu les utilises pas? Et Valentin me l'a dit, ben là, je me suis mis en constat cravate. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois changer mes lunettes? Ma moustache? Est-ce que je dois faire une opération, comment on appelle ça? La chirurgie esthétique? Pour mon nez? D'accord. Est-ce que ma barbe est bien, ça va? Ah, bah, dites-moi, pour que je m'améliore. Moi, je m'améliore. Moi, je suis pas obtus. Je suis pas fermé. Attention. Donc voilà. Ça va? Costa cravate, ça va? Les choix, comme ça, bleu avec le bleu, ça le fait ou pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.